Ah merde. Si tu veux être balèze, à Street Fighter, c'est super simple en fait. Je vais t'inculquer toutes les petites règles qu'il faut retenir. C'est super simple, tu vas voir, on va y arriver. Règle numéro 1, ne surtout pas sauter. Encore moins dans le coin, car ton adversaire, il sait déjà que tu vas essayer de sortir du coin comme un débile. Avec un petit anti-air, il va régler ça très vite. Règle numéro 2, je te conseille d'utiliser tes normaux, parce que les normaux c'est bien, et les normaux c'est super bien, maxi bien. Alors je te conseille d'utiliser tous tes normaux de la tête. Évite les spéciaux car c'est pas bien, et les normaux c'est bien, les normaux c'est bien. Alors retiens bien ceux-ci et utilise tes normaux. Règle numéro 3, essaie d'attendre de loin et tu pourras attendre une mise au sol. Attends la mise au sol et après va le presser. Le bourre pas comme un débile parce que sinon tu vas prendre cher. Donc si tu as bien compris, joue au calme. Attends patiemment que l'adversaire fasse des erreurs. Voilà, je pense que tu as compris ce message. Sois patient et au calme et tu gagneras toutes tes parties. J'ai pas la manette turbo, bande de pédés. C'est un perso de mongol. Pendant 7 ans, j'ai fait des dragons. Pendant 7 ans, j'ai fait des bagros points avec Gaël. Pendant 7 ans, j'ai mis des bagros points avec Rose, avec Honda, avec tout ce que tu veux. Rendez-vous le 15 avril pour le plus mortal des combats. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo, bande de pédés. Et j'ai pas la manette turbo.